La pêche des crevettes est l'une des principales activités des populations du littoral du Bénin. Elle joue un rôle capital dans l'économie nationale, de par son apport en devises grâce aux exportations vers les États-Unis, le Japon et les pays de l'Union européenne tels que la France, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas. En 2002, le rapport de la mission d'inspection de l'Office alimentaire et vétérinaire de l'Union européenne tomba comme un couperet contre les quatre entreprises exportatrices de crevettes, contraintes de mettre la clé sous le paillasson. Ainsi, 350 travailleurs permanents, 45 000 pêcheurs, 19 000 mareyeurs, 1 200 ouvriers des entreprises de transformation des crevettes et fournisseurs de services connexes sont au chômage depuis plus d'une décennie. Un kilo de crevettes fumées tournait autour de 8 000 francs CFA le kilo. Ça, c'est le prix local. Maintenant, lorsque c'est le prix à l'exportation, c'était des milliards que le Bénin engrangeait en exportant ces crevettes. Parce que les crevettes du Bénin sont des crevettes recherchées sur le marché international à cause de la qualité, de la succulence de ces crevettes-là. Mais de par nos comportements, l'extension des villes, l'augmentation de la pression sur les ressources, cette production-là a baissé. Le sous-secteur de l'assainissement urbain en eau usée accuse un important retard par rapport à celui de l'eau potable au Bénin. Selon l'enquête démographique et de santé, plus de 65% des eaux usées finissent dans la nature, dans les rues ou dans les réseaux d'évacuation des eaux de pluie, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. On nous a focalisé l'attention sur le fait que nous devons avoir de l'eau de bonne qualité pour nos populations. Mais on se préoccupe très peu de l'eau après usage. On envoie toutes les eaux usées dans la nature, on les convoie vers le lac Nokwe. Ces polluants qui sont dans ces eaux usées-là se retrouvent dans l'organisme des poissons et après se retrouvent dans nos plats. Du coup, les poissons perdent l'un de leurs S et deviennent poison pour nous. Des analyses physico-chimiques ont montré la présence de métaux lourds tels que le plomb, le cadmium, le zinc et le mercure dans les eaux de pêche de la lagune de Porto Novo et du lac Nokwe, à un taux supérieur à la normale. Parmi ces métaux, le cadmium et le plomb sont les plus toxiques. Le canal de Cotonou est traversé par trois ponts aujourd'hui. Vous imaginez le trafic qui se déroule sur ces trois ponts? Dans certains pays où la réglementation est stricte, les industriels ne peuvent pas faire des rejets sans aucun contrôle et sans aucun traitement. Situé au sud-est du Bénin, le lac Nokwe couvre une superficie de 150 km² à l'étiage. La pollution de ce cours d'eau constitue un véritable risque pour la biodiversité aquatique. Le papa vous dit que le sous-secteur pêche est en agonie. Dans le vieux temps, si nous allons sur l'eau, en une heure de temps, deux heures de temps, on a déjà ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut aller faire 8 heures, 10 heures de temps et ramener quelle quantité, 2 kilos de poissons. Il y a tellement de pression sur les ressources halieutiques. D'abord, le nombre de pêcheurs a augmenté. De deux, il y a la rareté des ressources. Il y a la fermeture du chenal qui est là. À Cotonou, l'océan Atlantique reçoit également son lot de polluants. Construit en 1978, l'abattoir de la ville de Cotonou, qui végète dans un état de vétusté avéré, déverse quotidiennement dans la mer une grande quantité de ses eaux usées. L'abattoir donc produit des déchets, vu la quantité donc d'animaux que nous abattons chaque jour. En moyenne, c'est 35 par jour. Mais au niveau des petits ruminants, ça veut dire les moutons et les cabris, on est à 250 à 300 en moyenne par jour. Et les porcins, les porcs, une trentaine donc par jour. Depuis la création donc de l'abattoir, il y a un système de canalisation qui est en place. Et au fur et à mesure, ces eaux usées-là sont évacuées vers la mer. Les eaux usées ne sont pas traitées ici. Les zones humides sont parmi les milieux les plus productifs du monde. Elles connaissent de plus en plus de dégradation du fait de l'action néfaste de l'homme qui se conjugue avec les aléas climatiques. La Convention de Ramsar sur les zones humides
a été adoptée pour enrayer leur dégradation. L'une des conditions principales de l'inscription de ces sites à Ramsar, c'est la conservation et la gestion durable de ces sites. Malheureusement, tout va de travers. Et le Bénin n'arrive pas à honorer ses engagements vis-à-vis de la Convention de Ramsar. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, 1,6 million d'enfants meurent chaque année en raison de l'insalubrité de l'eau, l'absence de services d'assainissement de base et le manque d'hygiène. Les eaux usées ont des impacts sur les milieux aquatiques, mais également sur la santé de l'homme. Les sels, les urines, les liquides humains qui ont été contaminés par le germe du choléra seront à l'origine de l'infection des hommes. Il existe d'autres germes, d'autres parasites, notamment la leishmaniose, le ver de Guinée, la trachonculose. Il y a les parasites, les helminthes. Toutes ces maladies seront liées au péril hydrique. En milieu rural, le programme sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement, PROSEA, JIZ, qui appuie 38 communes du Bénin, fait de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement son cheval de bataille. Les résultats obtenus dans le cadre de ces activités sont édifiants. Il y a différents types de latrines qu'on a mises au point en utilisant des matériaux locaux. On forme les artisans locaux comme les maçons ou même les ménages. Lorsque on veut construire une case au village, on ne fait pas appel à un maçon. Il y a le savoir-faire là. Vous voyez, donc on forme les gens dans les villages pour construire des latrines avec des cabines, des latrines qui sont hygiéniques. Et les urines, il faut avoir des puisards ou puits perdus pour éliminer les eaux usées. Les eaux de douche aussi, on les déverse dans les puits perdus ou puisards. Avec le développement des activités humaines et l'accroissement de la population mondiale, la tension sur les ressources en eau s'est accentuée. Le recyclage des eaux usées pour de nouveaux usages peut s'avérer une ressource en eau précieuse, dite non conventionnelle, en complément de la mobilisation des eaux de surface et souterraines. L'agriculture utilise déjà 70% des prélèvements mondiaux d'eau souterraine. Aussi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, recommande-t-elle la réutilisation des eaux usées après traitement. Au Japon, par exemple, lorsque on met de l'eau à la disposition d'un HLM, quand l'eau devient usée, il y a un système d'épuration sur place qui épure cette eau-là, qui retire tous les déchets qu'il y a dans l'eau, tous les polluants qu'il y a dans l'eau, et la même eau dans laquelle vous avez déféqué le matin, vous revenez le soir, vous la buvez agréablement. Parce que le système est efficace. Les pays de la région d'Afrique subsaharienne affichent le plus faible taux de couverture en assainissement à l'échelle mondiale. Les insuffisances dans l'évacuation des eaux pluviales, ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées, coûteraient à une vingtaine de pays africains 1% à 2,5% de leur PIB annuel. Située en Afrique subsaharienne, Brazzaville est la capitale politique et administrative de la République du Congo. Sise sur la rive droite du majestueux fleuve Congo, deuxième cours d'eau du monde, après l'Amazone, par la puissance de son débit, 40 000 m3 par seconde. La ville est reliée à l'océan par le chemin de fer, à Kinshasa par le fleuve, à Bangui et au Cameroun par la route. Le fleuve Congo constitue un important réservoir pour les besoins en eau potable et en eau d'irrigation pour les cultures, et renferme des ressources halieutiques considérables. Les principales pollutions organiques et chimiques du fleuve sont dues aux eaux usées domestiques, industrielles et teinturières. Au Bénin, la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux usées en milieu urbain et périurbain sur toute l'étendue du territoire national incombe à la société de distribution d'eau potable conformément à ses statuts. Cette activité n'est pas encore développée par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, mais
une lueur d'espoir se dessine. Le projet le plus important est le projet d'assainissement des eaux usées, des zones urbaines et périurbaines des communes de ce qu'on appelait le Grand Nokwe, qui intègre la zone de Cotonou, de Calavi, de Ouida, de Semenkoudji et de Porto Novo, et qui permettra en fait de construire une station d'épuration de boue de vidange à Semenkoudji d'une capacité d'environ 500 m3 par jour. Je ne finirai pas sans mentionner un autre projet de construction d'une autre station de traitement de boue de vidange qui est prévue pour la zone d'Abomey-Calavi et financée par la KfW, qui est la coopération allemande, dont l'étude est, au moment où je vous parle, entièrement terminée sous la responsabilité du ministère dont j'ai la charge, à travers la Société nationale des eaux du Bénin, qui a en charge aussi de porter ces projets de développement des systèmes d'assainissement et de vidange de boue. Informer et éduquer quant aux risques liés au déversement des eaux usées dans la nature ou dans les canalisations des eaux pluviales est un enjeu majeur. Mais il faut également cesser de regarder les eaux usées comme des déchets. La valorisation des eaux usées est un enjeu politique et socio-économique. Correctement traitées, elles constituent des sources en eau alternatives et non conventionnelles. L'autre enjeu est la captation de la chaleur des eaux usées qui peut produire de l'énergie. Longtemps considérée comme problématique, l'eau usée est devenu le nouvel or noir de l'énergie verte.